Jeudi 14 octobre 2010, à la structure de Sequedin de la maison d'arrêt de Lille, on se prépare à un événement exceptionnel, la venue de l'Orchestre National de Lille. Garçons d'orchestre, surveillants et détenus s'activent pour transformer le gymnase de la prison en véritable salle de concert. Un défi pour accueillir plus de 75 musiciens dans des conditions acoustiques de qualité, tout en respectant les contraintes de sécurité d'un établissement pénitentiaire. Le but est d'installer l'orchestre dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde, donc que ce soit à Sequedin, à Loos, ou dans une église, ou je vous dis à Amsterdam, à Londres. Pour nous, le travail ne change pas. Par contre, c'est vrai que c'est super intéressant de venir, d'avoir quelques contacts parfois avec les détenus qui nous aident à décharger le camion, par exemple. On nous a proposé de venir aménager la salle, tout soit en ordre pour ce spectacle. L'accès à la culture en détention est un élément essentiel de la réinsertion des personnes. Les services pénitentiaires d'insertion et de probation ont pour mission de programmer des activités culturelles adaptées au public carcéral. Grâce au partenariat entre le ministère de la Justice et des Libertés, le ministère de la Culture et de la Communication et aux collectivités territoriales, plus de 4000 événements et activités culturelles sont organisés chaque année au sein des établissements pénitentiaires. Depuis 15 ans, on est en contact chaque année avec l'Orchestre National de Lille, puisqu'il y a un concert annuel qui se tient sur le centre pénitentiaire. La majorité s'est tenue à la maison d'arrêt de Loos, et là c'est la seconde édition sur la maison d'arrêt de Sequedin. C'est dans ce cadre que 105 hommes et 70 femmes détenus à la maison d'arrêt de Sequedin ont assisté à deux concerts dirigés par le célèbre Jean-Claude Casadesus. On a eu un petit papier demandant si on voulait participer au concert. Bah oui, j'ai voulu y participer pour voir un peu comment c'était. Je crois que ce qui est essentiel dans une programmation culturelle sur une année dans un établissement pénitentiaire, c'est justement de varier les domaines. Donc il y a des activités qu'ils auraient pu faire de leur propre chef à l'extérieur, et il y a aussi ce genre de concert auquel ils n'auraient pas pensé. Je pense que c'est ça qui est important aussi dans notre travail, c'est de les ouvrir à des choses qu'ils n'auraient pas connues à l'extérieur. Et il y a une réaction très positive des détenus. Dès qu'on leur a annoncé la venue de l'Orchestre National de Lille sur la structure, on a eu vraiment un nombre d'inscriptions considérables. Ils étaient vraiment tous contents de venir. Donc je pense que ça va vraiment leur plaire. Ça m'a plu énormément. C'est plutôt pas mal quand même. Ben, ça m'a fait des frissons, ça m'a fait m'évader. Hein, et quand je serai sortie, j'amènerai mes enfants voir un concert. Le genre de musique, franchement, c'est impressionnant. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'activités comme ça en prison. Ça change. Ben, moi, ça m'a emmené loin. Et à un moment, je me suis plus sentie en prison. Je me suis sentie, loin. Ça m'a fait beaucoup de bien. Très content, très satisfait. Ah, c'était très émouvant. J'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Ah, en fait, c'était cool, c'était bien, c'était sympa. Ça. Ce serait bien qu'il y ait plus de concerts ici en détention. Les détenus apprécient toujours ce genre d'événement.
Ils en parlent souvent entre eux après. Surtout si ça leur a plu, ils vont même redemander de ce type d'événement. Et on va essayer d'en faire. C'est le deuxième concert de musique classique que nous avons à l'établissement. On en a eu un en avril, avec une philharmonie d'Aubourdin, de bénévoles, qui avait à peu près bien marché. Et je pense que le fait qu'on ait eu un premier concert en avril a incité les autres détenus à venir donc au mois d'octobre, aujourd'hui, à ce concert.